Bien, alors euh, j'essaie je, de rassembler mes souvenirs sur euh, ces débuts et continuations de, de mon terrain, entre guillemets, je ne sais pas beaucoup ce mot-là, euh, à Saint-Moi. Et euh, donc le fait que j'avais à la fois la chance, mais un petit peu aussi cette obligation morale, je le disais, de ne pas me dépêcher pour écrire n'importe quoi, et aussi cette obligation méthodologique. Euh, à la fois morale, parce qu'on m'avait demandé de faire, Mme Ayono en particulier et les autres, et ce que je voulais faire, qui était d'introduire toujours une réflexion sur l'ethnographie à partir du dialogue interculturel, des malentendus qui préexistaient et qu'on peut essayer de dissiper, de dissiper, etc. Alors, dans ces malentendus, et j'y reviendrai, il y a le malentendu sur les valeurs culturelles, le malentendu sur les structures de pouvoir, qu'est-ce que c'est qu'un chef en Polynésie, euh, que à l'époque coloniale on appelait aussi parfois des rois, quelles sont les différences profondes, etc. Euh, avec la féodalité, par exemple, européenne, puisque d'une certaine manière on a souvent dit que c'est des pays où il y avait toute une classe de nobles. Alors qu'on n'a rien compris, il n'y a jamais eu de distinction entre noble et non noble. En un sens, tout le monde est noble, puisque tout le monde appartient forcément à un clan et que chaque clan est un culte autour d'un nom fondé par un ancêtre fondateur il y a parfois très très longtemps et qui donne une certaine autorité sur un certain nombre de terres. Donc, à la limite, tout le monde là-bas est enfant d'un clan qui est une baronnie ou etc. Peu importe. Bon, il y a tous ces malentendus-là. Mais il y avait aussi le malentendu de négliger l'histoire. Je reviens à cela, j'ai dit au début pourquoi c'est évidemment pour moi une préoccupation importante, tout ce que ma mère déjà voulait m'imprimer euh, dans l'esprit. J'en ai parlé. Donc, la Polynésie, c'est presque encore pire, parce que les clichés qui se sont accumulés sur la Polynésie, la culture samoine, entre autres, mais il y aurait y a la culture tahitienne, les Tahitiens, les Maoris, les Hawaïens, mais bref, la Polynésie. Ah, quand on dit la Polynésie, on croit tout de suite savoir ce dont on parle. Alors, c'était aussi une de nos discussions dès le début, et c'est pour ça qu'on a voulu, avec d'autres collègues, publier aussi vite que possible en français. Un livre collectif, alors euh, c'est le livre qui s'appelle euh, Le Pacifique Sud aujourd'hui. Euh, il doit être euh, quelque part, euh, quelque part, euh, voilà, il est là. Le Pacifique Sud aujourd'hui, euh, publié au CNRS en 1997, mais disons tous les textes ont été donnés vers 1994. Euh, plus tard, il a été traduit en anglais et il est disponible maintenant de manière euh, en ligne même. C'est magnifique de Changing South Pacific aux éditions de l'Australian National University. Mais en tout cas, c'était une des raisons pour lesquelles nous voulions aussi euh, faire euh, une discussion sur de quelle manière on peut envisager le changement social, les transformations historiques, puisque dans cette ère de l'océanie, tout autant qu'ailleurs, même si on l'a souvent beaucoup plus figé, ben, les choses changent constamment. Euh... Mais on essayait de se demander dans ce, dans ce livre à quel moment on peut dire que la société a changé, que ce n'est plus la même société. Comment distinguer ce qui est un bouleversement qui fait pratiquement un changement de paradigme, on va dire, ou une évolution simplement due à quelques influences de l'extérieur. Et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Samoa. Alors, c'est presque scandaleux, mais comme j'étais l'un des deux responsables du, euh, du livre, chacun a essayé de faire un chapitre assez, assez important. Moi, j'en ai, ai fait trois que j'ai réunis en un. Donc, euh, mon chapitre, il, il fait 100 pages. Euh, Aujourd'hui, ça ne serait plus possible. Mais à l'époque, on pouvait quand même s'arranger avec les éditions du CNRS. Et mes collègues été, ont été extrêmement généreux de ne pas m'en vouloir d'occuper ainsi une grosse partie euh, de ce livre avec l'exemple euh, de Samoa. Mais bref, euh, euh, ce qui, ce qui m'animait moi, en tout cas euh, là-dedans, c'est toujours cette, cette fameuse formule de Stalin que l'on connaît bien, euh, qui qu est au début de son livre Historical Metaphors and Mythical Realities, où il disait... The great challenge to an historical anthropology is not merely to know how events are ordered by culture but how in that process the culture is reordered. Bien entendu, tout ce qui arrive est interprété localement est interprété localement par les moyens du bord. Donc les représentations au à ce moment-là mais le raisonnement qui est fait sur cette interprétation et les résultats de cette interprétation dans la vie quotidienne ou institutionnelle, etc., eh l'instant d'après a déjà changé la grille culturelle d'interprétation que l'on avait juste avant l'événement. Et ça, bon, Salins le dit, mais c'est aussi exactement ce que Marc-Auger défendait dans Théorie des pouvoirs et, euh, et euh, idéologie. C'est pour ça qu'il disait idéologique, cet ensemble du pensable et, et du possible qui va répondre d'une certaine manière à certains événements de l'extérieur, mais l'instant d'après, les choses ne sont déjà plus les mêmes et il faut voir cette évolution non pas comme l'idéologie, une strate à la manière des anciens, des anciens modèles immuables, etc. etc. Bon. Euh, bref, donc d'une certaine manière euh, histoire et anthropologie dans ce livre le pacifique sud aujourd'hui et d'ailleurs marshall salins a beaucoup apprécié ce livre il l'a lu en français évidemment lui il pouvait tout lire en français il n'a même pas attendu la traduction la traduction anglaise il nous a écrit il nous a félicité bref euh, et je dois dire que il lisait assez régulièrement euh, à ce moment-là, et ensuite ce que je publiais sur Samoa. Et puis, je tiens à dire aussi que finalement, son nom aussi vient s'ajouter à la liste des, des bonnes âmes qui m'ont euh, aidé spontanément. Je l'ai su beaucoup plus tard par d'autres. Mais lorsque, je crois que c'est vers 2005, quelque chose comme ça, il y avait une possibilité à l'école des hautes études, de concourir pour le niveau professoral, direction d'études, c'était très 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 limité et il fallait des rapports extérieurs qui soient massifs. Je l'ai su plus tard, c'est beaucoup plus tard que d'autres m'ont dit, m'ont dit ben, "tu sais, le rapport qu'avait fait Salins sur ton nom, c'est ça qui t'a fait passer tout de suite." Bon. Et je sais que Salins dès le début appréciait beaucoup la manière dont nous essayions de constamment ne pas nous figer dans une ethnographie passéiste, mais en même temps de donner toute la force possible à ce qui est une culture, mais une culture qui est en train de changer chaque jour, comme il le dit, etc., etc. Et bref, évidemment à ce moment-là, il était énormément sur toutes ces questions-là, avec tous ses livres sur euh, historical metaphors, etc. Et ce qu'il écrivait sur le les histoires autour du capitaine Cook, euh, on y reviendra un petit peu aussi. Euh, donc voilà, ça c'était pour euh, euh, rendre hommage aussi à Marshall à Salins. Marshall et donc, euh, tout ces, toutes ces interrogations, à la fois d'anthropologie historique et de choc culturel à Samoa, bon, ça s'est retrouvé, comme je l'ai dit, dans, dans ce livre, euh, fin à Samoa, un énorme pavé. Alors là aussi, un petit mot pour euh, donner des, euh, des, euh, des remerciements. Un livre de, je ne sais plus combien de centaines de pages il fait, mais avec une typographie tellement dense qu'en fait, euh, c'était un équivalent de 700 pages. C'était impubliable. Euh, mais c'est toujours pareil, je n'arrivais pas... Je voulais, comme tout, renvo tout renvoie à tout, ça c'est un petit peu le défaut de cette ambition un petit peu holiste, euh, comment faire pour euh, bien distinguer les choses. Et donc, plus j'écrivais, plus je disais, mais non, mais si je parle de ça, il faut ça, il faut ça. Économie, politique, genre, sexualité, pouvoir, bon. Et ce livre n'aurait jamais été publié si il n'y avait pas un jeune collègue rencontré à Paris, depuis devenu un ami très proche. Marc Tabani, aujourd'hui c'est le directeur du, euh, du, du Credo de notre centre, mais qui avait une connivence avec le directeur d'une collection, cette collection-là à connaissance des hommes à l'armatan, à savoir Olivier Le Cervoisier, lequel lui-même s'intéressait beaucoup aux questions de hiérarchie, holisme, il a d'ailleurs dirigé des livres collectifs à ce sujet, et c'est grâce à l'entremise de Marc Tabani auprès de Le Cervoisier que Le Cervoisier a accepté de se plonger dans un pavé totalement indigeste par sa taille. Bon, après, il a lu, il était d'accord. Donc ça c'est pour euh, l'histoire de ce, de ce face-à-moi. J'ai des, des amis qui rient énormément, euh, je pense à Nico Beignet par exemple, c'est sa plaisanterie principale. Chaque fois que je lui dis, ah, je viens de terminer un livre, il me dit, oui, évidemment, un gros livre impubliable. <laughs> il n'a pas tout à fait tort. Euh, bon. Alors, sur le, sur le terrain à Samoa, il y a bon, cette méthode dont j'ai déjà, déjà parlé, euh, cette remise en question de, des notions qu'on en a et voir de quelle manière un dialogue peut s'établir avec, avec les gens sur place, etc. Mais il y a un malentendu que j'avais vraiment pas prévu de rencontrer sur le terrain, moi qui étais allé là-bas pour euh, voir de comment fonctionnaient ces chefferies sacrées, même de petite dimension. À savoir tout le domaine du gender and sexual meanings. J'aime bien cette expression du livre de très ancien maintenant déjà de Sherry Ortner et Harriet Whitehead. Ça, vraiment, je n'avais pas prévu. Alors c'est encore un hasard. Je suis à Samoa, 82, euh, oui, euh, fin 81, 82, il me semble. Je reviens en tout cas en 84. Et peu de temps après être arrivé, mes amis, alors de ce groupe des intellectuels euh, dont je parlais tout à l'heure, dans la petite euh, université, mais aussi dans, euh, dans la presse, on me dit ah, il faut absolument que tu viennes écouter il y a des conférences extraordinaires faites par. Et on me dit le nom Derek Freeman. Je dis, qui ça Derek Freeman Je ne connais pas, jamais entendu parler. Mais si, il, il change tout sur ce qui a été écrit sur Samoa, etc. Ah bon Et alors effectivement, d'une part je vais je vais l'écouter, je vais lire puisque le livre était disponible depuis à peine un an. Euh, Margaret Mead and Samoa: The Unmaking of an Anthropological Myth le livre qui a fait le scandale. Euh, et euh, mes amis samoans du groupe dont je parlais ne disent que du bien de ce, de, de ce livre. Alors, moi je lis, puis je discute avec eux, je dis, mais attendez, attendez. Que Freeman dise que Margaret Mead avait tout à fait tort de, dépe de dépeindre une culture samoane comme une culture de l'amour libre qui aurait toujours été comme ça depuis des millénaires parce que c'est la Polynésie ou parce que c'est Samoa. On est tout à fait d'accord. Mais qu'ils disent en même temps, dans ce livre, que toute l'anthropologie culturelle est à jeter à la poubelle parce que il faut être, je, je, je raccourcis évidemment, il faut être sociobiologiste. Et en particulier sur les questions de sexual, même sexual meanings, c'est par... La sociobiologie ou la biologie tout court, parce qu'en fond, Fred, Derek Freeman y parlait vraiment des hormones. Euh, C'est que comme ça qu'on peut comprendre toute la thèse de Freeman a été d'une manière sociologique et anthropologique d'essayer de montrer, et sur certains points, c'était bien fait. Pourquoi Mide Pourquoi ce que dit Mide ne correspond pas du tout à, à, à d'autres archives, à ce que des disent, etc. Mais quant à l'explication des erreurs de Meade, son attitude qui est de dire, c'est parce qu'elle était dans l'anthropologie culturelle qu'elle a euh, qu'elle a tout faux. Et ma critique de Meade, c'est aussi une critique de toute l'anthropologie culturelle, sociale et culturelle, dont Freeman venait d'ailleurs, mais qu'il avait renié pas longtemps auparavant. Bon, c'est une autre histoire aussi de sa vie. Et donc, moi, je disais, mais non, mais non, on ne peut pas suivre ça. Euh, mes amis, ils me répondaient, mais ça, vos histoires de sociobiologie, anthropologie culturelle, on s'en fiche complètement. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que là, on a quelqu'un qui vient détruire la, la chape de plomb qui pesait sur nous à l'étranger et de me raconter cette Ayono euh, et d'autres. Quand moi, jeune étudiante, j'allais en Nouvelle-Zélande pour mes études, pour faire ma thèse, etc. J'arrivais, j'étais assailli par tous les journalistes néo-zélandais locaux qui me demandaient quelle était ma vie amoureuse, comment, je, comment ça se passait dans cette société extraordinaire où tout le monde couche avec tout le monde avant le mariage, du moins. Et elle me disait Tu peux pas savoir la haine qui me montait quand je pensais à certaines de mes amies proches, nommément que je connaissais, qui se sont suicidés parce que leur histoire d'amour était inacceptable par la famille, par la société sociale, par le village, etc. Quand je pense à toute la violence qu'il y a dans les, rapports, euh, dans les rapports entre mes femmes, et qu'on vient me demander comment j'ai comment vécu dans le paradis sexuel que Meade a inventé, tu ne peux pas savoir la haine que j'avais pour Meade, et pour toutes vos disciplines, finalement. Alors ça, waouh Bon, j'ai écrit aussi des choses à ce sujet. J'ai cité aussi certaines paroles. Il y, de, il y a une longue interview qui est passée à la télé australienne euh, d'Iono là-dessus, euh, où elle dit cette chose assez, assez re remarquable. Elle dit, finalement, Derek Freeman... Tout ce qu'il peut dire sur la discipline anthropologique dont vous discutez, ça nous est complètement égal. Mais il nous a rendu notre humanité parce que Margaret Mead nous avait enlevé notre humanité. Alors là, je regarde. C'est quoi l'explication Elle s'explique dans cette interview. Elle dit Mead nous a dépeint comme une société qui, au fond, n'existe pas, qui n'a jamais existé sur Terre. Elle a fait de nous une exception. Par cette exception, elle nous a déshumanisés. Freeman, avec son livre, a dit, ben, on est comme tout le monde. On est des êtres violents, euh, égoïstes, égocentriques. Il euh, y a autant de violeurs qu'ailleurs. Tout se passe euh, euh, comme partout dans les, dans, 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 dans les relations entre hommes et femmes. Alors même si certains disent que le tableau qu'a donné Freeman de nous est beaucoup plus négatif beaucoup plus triste, beaucoup plus tout ce que vous voulez de notre société, mais il nous a réintégrés dans le champ des possibles humains, alors que Meade nous avait sortis de ce champ. Ça, c'est une interview incroyable, incroyable, euh, que pas suffisamment de gens connaissent pour comprendre à quel point euh, le livre de Meade, qui même a été assez peu lu, mais qui a été commenté, combien de fois, à la radio, même euh, saint pendant beaucoup d'années, a donné cette impression. Euh, bon, alors donc, évidemment, c'était un débat virulent. Euh, je voyais que j'aurais un peu de mal à dire à mes amis que moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce qu'écrit Freeman sur la discipline, mais d'accord avec lui pour dire voyons de plus près les erreurs de mythe parce qu'elles sont manifestes. J'ai rencontré Freeman à ce moment-là, on a discuté, on s'est revu bien des, années, bien des années après. Bon, euh, il y a toute une correspondance, euh, beaucoup d'années après, entre Freeman et moi sur ce débat qui est déposé à l'université de Canterbury à Christchurch, parce que c'est à ce moment-là que je donnais aussi euh, des conférences et que je recevais ces, euh, ces lettres, parce que. Il n'a jamais accepté, jamais accepté que je puisse dire que, que j'étais d'accord avec lui pour dire que Mead avait tort et que je n'étais d'accord sur rien avec lui pour, pour le reste. Mais surtout, bon, je parle de, de ça puisque j'en parle un petit mot parce que tout ça, c'est dans ce livre-là où j'ai rendu compte du débat euh, Freeman-Mead. Euh, il ne supportait pas du tout le plus qu'il ne supportait pas, c'était quand je lui avais écrit euh, ⁇ Je suis profondément choqué par la manière dont vous avez voulu faire témoigner devant des caméras australiennes des femmes très âgées qui étaient des amies de Margaret Mead en 1925 et qui, en pleurs devant vos caméras, ont expliqué que oui, elles racontaient des histoires imaginaires à Margaret Mead sur leur propre vie, ce qui est vrai, ça, il n'y a aucun doute à ce sujet, et que Margaret Mead prenait tout ça comme argent comptant, mais vous faisiez pleurer ces vieilles femmes parce qu'elles se sentaient tellement coupables que par leurs histoires de plaisanterie d'adolescentes, que Margaret Mead aurait pris comme argent comptant pour écrire dans cette société, tous les jeunes, amour libre, etc., etc., que ça a donné cette réputation à Samoa et ces vieilles femmes en pleuraient de culpabilité, et vous avez profité de cela pour faire des interviews que je trouve honteuses. Là, il ne m'a jamais pardonné ça. La violence de ces lettres après à mon sujet, énorme. Peu importe. Euh, ce que je veux dire, c'est que quand il y a eu ce débat à Samoa, et ensuite bien au-delà de Samoa, je me trouvais dans une position particulière. J'étais. Déjà, à ce mois, depuis un certain temps, j'étais revenu. Même si les questions des relations entre, entre mes femmes n'étaient pas mon sujet principal du, euh, du début, je ne pouvais pas ne pas avoir un certain nombre de notes, de notes à ce sujet. D'autant plus que du côté du pouvoir, de la chefferie, ce qui m'avait beaucoup frappé est que même si la majorité des chefs de clan, ces petits chefs sacrés, étaient des hommes. Il semblait ne pas décider grand-chose sans l'aval d'une ou plusieurs femmes qui étaient leurs sœurs, tantes, cousines, jamais leur épouse. J'étais amené ainsi, petit à petit, à voir vraiment un fossé entre le statut des femmes en tant qu'épouses, alors épouses ici, mais évidemment sœurs chez elles, dans leur propre clan, ailleurs. Donc le statut des femmes en tant qu'épouses en un lieu donné versus le statut des femmes en tant que sœurs, cousines, tantes, euh, en un lieu donné. Là, ce qui, ce qui, ce qui m'amenait à des questions du, sur le genre, d'où cet article aussi de 1992, « Les frères et les sœurs ne sont pas finalement des hommes, euh, des hommes et des femmes », mais je me trouvais aussi à avoir un certain nombre de données sur les relations hommes-femmes en général, les relations entre adolescents, les relations plus ou moins discrètes, etc., 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 etc. Euh, et donc, c'est la raison pour laquelle je me suis intéressé de très près à ce débat, parce que je me suis dit, mais là encore, il y a. C'est un immense malentendu. Tous les comptes rendus, toutes les interventions sur ce débat étaient pro mide ou pro-Freeman. Alors, est-ce qu'on peut parler de la sexualité avec l'anthropologie culturelle Oui, non moi, je disais oui, on peut, mais pas comme Freeman l'a fait, et pas comme Mead l'a fait non plus, parce que Mead a pris pour argent comptant des plaisanteries d'adolescents et en a travesti quelque chose, parce qu'elle avait un but dessiné dès le départ, ça on, on, le sait on le sait bien, il fallait prouver que même la vie la plus intime est déterminée par la culture. Elle s'était dit, tradition polynésienne, amour libre, ça moi, amour libre, ce que je vois là-bas, et la traduction de cette valeur culturelle très très ancienne, et c'est ça qui fait d'ailleurs que l'adolescence à Samoa se passe beaucoup, mi beaucoup mieux qu'ailleurs. On connaît tout ce, tout ce débat et cette mission dont elle s'est crue euh, cru investie. Mais dans mon cas, j'avais des données qui permettaient de ne pas être pro Freeman, pro de dire bon, réouvrons le dossier ethnographiquement. Alors nous allons en parler.